Oui, bien bonjour, Eric, Équateur. Alors donc, comment ça se passe pour la prochaine? Il fallait que ça se passe très bien. Bon, ça fait quand même très longtemps que le public attendait ce moment-là. Après 2 années, il faut dire que tout le monde a répondu présent. Et puis aussi, c'est un très beau spectacle, hein, s'il faut parler de la course elle-même. On a rarement vu une course ne pas encore être jouée ou tuée à un certain moment. Là, aujourd'hui, tout est possible encore. Et c'est ça le charme de l'étape, quoi, à la fin de la compétition. De la course. Oui, effectivement, c'est vrai, parce que jusqu'à ce jour, on ne peut pas définir, dire où tel coureur sera en tête ou pas. Non, il y a toujours des confusions. Et bien, chacun fait une étape différente. Et, voilà, c'est pas évident. Voilà, tout à fait. Et puis il faut dire aussi qu'on peut dire que le niveau est quand même bon, parce que oui, tout le monde, chaque personne est à peu près à égal niveau, ils peuvent entrer en compétition, ils peuvent quand même se finaliser. Et là, pour nous, c'est quelque chose de formidable parce que l'adrénaline, ça monte et tout le reste. Ouais. Mais aussi, il faut dire aussi que tu es un ancien radioactif et bien d'autres. Voilà. Donc tu es toujours présent avec nous. Oui, pour être précis, bon, c'est vrai, j'ai été radioactif, je suis encore radioactif avec eux. J'ai été président de l'Institut radioactif et j'ai été aussi président de la Liberté à un moment. Donc j'ai ça dans le sang, quoi, la radio. Voilà. C'est quelque chose d'inné chez moi. Quoi. Eh bien, on te remercie d'avoir répondu à nos questions. Et puis on te souhaite bon après-midi. Et puis au plaisir de se rencontrer. Bientôt. Merci. Salut.